Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons tester une whey vegan de chez The Protein Works. Donc c'est une protéine végétale qui est constituée à base donc de protéines de soja, de protéines de chanvre, de tournesol, de protéines de tournesol et de protéines de riz, de pois, bref, un mélange assez complet, très intéressant, qui, au niveau des calories, est à 111 calories par service de 25 grammes. Voilà, donc je vous propose de la tester. J'ai choisi la saveur vanille crème et j'ai acheté un paquet de 1 kg. Je vous mettrai bien sûr les différentes saveurs existantes et les prix sur l'article. Voilà, donc avec un 1 kg, on peut réaliser 33 services. Donc, ouvrons le sachet. Alors, je suis en train de sentir. Ça a une odeur, oui, de vanille, mais pas de vanille. Oui, de vanille crème en fait, hein, de glace à la vanille, presque, je dirais. C'est assez doux. Donc, on a la petite dosette à l'intérieur qui nous permet donc de l'utiliser sans trop se poser de questions. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit très bien. La poudre est assez blanche, très fine, et l'odeur est agréable. Je mets la dosette. Donc, la dosette, il faut la mettre dans. Alors, oulala, j'en fous partout. Je l'ai préparé, tac, 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 dans 250 à 350 millilitres d'eau. Je pense que j'ai plus mis 350 grammes parce que j'aime pas quand c'est trop épais. Voilà. Donc, mon super mixeur. Voilà, donc la poudre. Ok. Alors. Alors, quand je l'ai utilisé la première fois, je me suis aperçue que c'était un petit peu difficile à mélanger, qu'il y avait parfois des grumeaux qui se formaient là sur le haut du shaker. C'est pour ça qu'il faut bien tapoter. Donc, aucune mousse. Vous voyez que contrairement aux whey qui sont conçus à partir de protéines de lactosérum. Là, il n'y a pas du tout de mousse, enfin très très peu, ça retombe très vite. Par contre, vous avez un dépôt sur le bord de la bouteille, puisque c'est des protéines végétales, donc la composition n'est pas la même. Et c'est souvent une texture un petit peu sableuse, qu'on apprécie plus ou moins en fonction des personnes. C'est moins comme un yaourt à boire, comme un milkshake avec les protéines classiques. Donc là, vous voyez, hein, ça reste bien. Alors après, c'est un peu galère pour nettoyer son shaker. Donc moi, une fois que je l'ai terminé, tout de suite, je mets de l'eau parce que sinon, ça peut rester. Donc on va goûter. Bon, c'est pas la première fois que je le goûte, hein. Mais sur ce produit-là, je trouve que le goût est quasi inexistant en fait. Autant à l'odeur, on a ce petit goût de vanille, mais autant là, c'est très neutre. C'est vraiment le goût du sucre est très 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 subtil, trop subtil pour moi. J'ai l'impression de boire. Je sais pas, de la poudre avec de l'eau, donc ça me plaît pas trop. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je rajoute quelques gouttes, alors saveur fraise, puisque c'est ce que j'ai, des Flav Drops de MyProtein, qui me permettent de rajouter un petit peu de saveur à ce shake que je trouve un peu triste à boire, quoi. Donc du coup, j'en rajoute 3-4 gouttes, pour pas non plus que ce soit du sucre,
4, voilà, ok. Je repasse un petit coup de shaker. Là. Bon, ça l'a pas trop teinté, mais en tout cas, voilà, c'est quand même plus sympa. Donc vous pouvez faire ça, ou si vous ne craignez pas les saveurs trop neutres, et bien écoutez, vous le laissez tel quel. En tout cas, la compo, elle est vraiment super intéressante. C'est complet, c'est hyper digeste puisqu'il y a des enzymes qui sont ajoutées. Donc, très très bon rapport qualité-prix. Un petit peu déçu au niveau du goût. Vanille crème, bon, c'est pas flagrant. Mais en tout cas, avec quelques gouttes d'arôme, ça passe super bien, c'est très agréable. Voilà, bah écoutez, vous aurez plus d'infos sur la composition dans l'article. Et puis à très bientôt pour un prochain test.